Yo les amis, c'est Kekso, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec une équipe de dingue que je viens de la faire et qui est aussi incroyable et bonne que les fesses de... Non, on arrête avec ça. Limite si on compare cette équipe aux fesses de Nicki Minaj, on l'insulte, donc voilà l'équipe. Oh cette équipe, oh là là, le cassage qu'il va avoir sur le terrain, je te le dis. 84 de général, 100% de collectif, sans parler des joueurs les gars. Au goal Buffon. Ensuite en défense devant Kelleni, Zuniga, David Luiz et Aurier. Incroyable. Ensuite le milieu de terrain avec deux Parisiens, Matuidi et puis Pastore. Avec le petit Guarin qui est un petit peu souriant aussi. En même temps je comprends qu'il soit heureux d'être dans l'équipe. Ensuite le trio offensif qui est argentin, c'est eux. Merde, putain ça a niqué tout là. Quel bouffon que je suis. Donc je disais le trio argentin c'est eux, Pereira, Dybala et Carlos Tevez. Bon par contre les gars en réserviste là, je sais qu'il y a Varane mais bon hein, chute les gars hein, chute. Chute hein, oh j'ai rien. C'est la meilleure équipe que j'ai testée sur ce FIFA Ultimate Team 16. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Donc les gars, pour cette vidéo, j'aurais bien un minimum de 75 likes les gars. Je compte sur vous parce que sur l'ancienne vidéo, vous avez explosé la barre de likes et moi j'adore. Allez, c'est parti pour le match. Vas-y, cherche-moi une victime. Oh, cette équipe, oh là là. Oh, ça joue bien, c'est ça qu'on veut. Ouais, Dybala. Non, pour Tevez. Oh, mais Tevez, t'es sérieux ou quoi là? Elle la passe en retrait. Kelleni. Quoi? Kelleni qui tire les. Non, mais attends. Pastore. Oh, Pastore, les gars. Oh la vache. Oh la reprise. Quoi les gars, cette équipe elle est monstrueuse. On peut pas la comparer aux fesses de Nicki Minaj, c'est limite insultant pour eux. Putain cette équipe. Oh toi je t'ai dit directement que t'étais ma victime. Regarde-moi ça. Oh Pastore. Ah vas-y dommage. Non mais Matuidi qui va marquer un but ou pas? Matuidi. Ah dommage. Non mais attends mais c'est trop facile. C'est trop facile, je te dis. Mais offre pas une occasion comme ça à Tevez. Il te le met directement. Ouais, allez, reviens. Allez, viens, voilà. Allez, sale pigeon, ouais. Allez, hop. Allez. Attends, non, mais il y a Kelleni. Donc tranquille, il y a Kelleni. Voilà. Cherche même pas, mon gars. Oh, Dybala, je te dis. Dybala. Putain, mais c'est qui? Bon, objectif rush kit ou quoi? A few moments later. Surprise, motherfucker! Quoi? Non! Ah, je vais pas assumer ce long shot là. Ouh là là! Ouh, mes coronets sont pris cher. Ouh, j'ai voulu la faire la même là. Aïe. Non mais fais pas ça. Tu joues trop avec le feu là. T'as le feu au cul, je te dis là. Allez hop, petite accélération de Dybala, petit festival au KLM. Non je déconne. Oh là là. Aïe. Aïe. Oui. Oh non. Oui. Dybala, qu'est-ce que tu fous en défense? Regardez le mec à droite là, le 10. C'est Dybala, le mec il est quand même buteur. Mais il reste en défense. Tevez. Tevez qui s'arrête. Tevez qui tire. Oh non. Ah bah voilà, je t'ai dit. Putain. 4-2, on se met à l'abri là, tranquillement. Bon, la barre de Tevez, elle est quand même pas mal. Hein. Merde, mauvais côté encore. Oh, le petit pont. Je te dis, oh le petit pont. Oh la Rabona mon gars. Oh la Rabona. Ça s'appelle Rabona ou tout ça? Oh je sais pas. Grosse Lulu. Ouh, ça part en Lulu. En petit Lulu. Oh les gâteaux. Non, mais t'as pas le droit. Hop. David Luiz. Oh, ça c'est pour Guarin. Oh, le long shooter.
De mon cul, ouais. Pastouré, le long shooter. De mon cul, ouais. Oh mais non, mais arrêtez avec ça. Putain, troisième barre, je crois. Oh les stats. Ouh les stats. Ouh, il a pris cher, il a pris cher, il a pris cher. Donc voilà l'équipe, comme prévu les gars, on a gagné avec cette équipe. C'est même pas une surprise vu la gueule de l'équipe, elle est juste incroyable hein. Je vous la conseille les gars, vous l'avez pour environ, allez pour 60-50 000 crédits. Je pense que vous l'avez assez facilement. Donc les gars, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'aimerais bien un minimum de 75 likes. Donc j'espère que vous avez déjà cliqué sur le bouton j'aime. Donc les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Bref les amis, c'était Kekso. Allez, ciao tout le monde.